Hey, bonjour à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de Spider-Man aux frontières du temps. Alors entre l'épisode numéro 2 et 3, j'ai dû faire une coupure et j'ai dû recommencer l'aventure principale parce que j'ai eu un petit problème technique. Mais c'est tout bon, on est reparti, normalement vous n'avez pas vu ce petit problème. Hein. J'ai tout fait de mon côté et on va défoncer des gens. Alors toi déjà, approche. Par contre, il y a encore des lance-missiles. Ah ouais, on en a défoncé un. Je vais prendre une petite pause. Allez, on va faire des petits combos. Voilà. Par contre, j'ai l'impression que je gueule encore dans le micro. Oh là là. Ouais, en fait, je suis trop motivé pour vous faire des vidéos sur ce jeu, donc... je me mets à crier, je sais pas pourquoi. Bref. Voilà, eux c'est fait. Une araignée dorée est parfait. On fera les améliorations dès que j'aurai un peu plus de vos retours. Alors, hop, non. Il m'a touché ou pas? C'est ouvert. C'est tout bon. Waouh, waouh, waouh. Laisse-moi tranquille. Et toi, je te défonce. Allez. Voilà, on peut avancer. On mitraille la touche. Allez. En Iron Spider, on a vraiment la classe. Waouh. Waouh, Alchemax ne plaisante pas. Tu m'étonnes, donc ces trucs, il faut qu'on les esquive. Ok, attendez, je vais aller faire un tour. Ça, ça s'ouvre, non? Mais oui. Encore une petite araignée dorée, hein, je pense. Ah, mais si! Oh là là! Ok, j'ai rien zappé d'autre. Allez, on continue. Je pense qu'on va tourner sur des épisodes de 20 à 25 minutes max. Ok, donc on avance par où? La porte là est fermée. Ok. Ouais, je sais que ce jeu est pas le jeu Spidey le plus apprécié au monde, mais ouais, je sais pas, moi j'aime beaucoup. Je me suis fait toucher. Non! Là on peut passer, là je peux passer aussi. Non, pas du tout. Ok. Oh, il y a du monde. Alors niveau paradoxe temporel, on peut rien faire encore. Enfin ma jauge, j'ai pas assez rempli, ça sert à rien. On lance des trucs, waouh. Faut vraiment que j'alterne hein, entre les L1, R1 et tout. Il faut que je m'y fasse. Et mange. Non, j'ai visé personne. Ah, oh, c'est dommage. C'est fini? Non. Ah oui, pour les personnes qui se demandent, je suis en difficulté normale, à part Spider-Man 1 sur PS1 qu'on a fait vraiment en mode détente et pas du tout en mode sérieux, c'était le seul jeu que j'ai fait en facile. Sinon, je fais vraiment tous les autres jeux en normal. Hé, hey, t'as de ferraille. J'ai besoin de ta clé d'accès intégrée. Donne-la-moi. Reviens ici, toi. Ne t'envole pas. Reste avec nous. Allez. Le paradoxe temporel dans peu de temps, je pense. Voilà, sur toi, c'est parfait. Ça marche comme je le veux. On a le pass et encore une figurine. Venez par là. On se casse. Il y a des bombes. Paradoxe. Bon, allez, pour le fun. Et voilà, c'est fini. Donc, dans la salle à côté, il y a quoi? On a le pass pour la porte qu'on a vue juste avant. Donc ouais, il y a un ordi. Et c'est tout? Ouais. Ouais, non, il y a rien du tout. On avance. Ouais, je préfère vraiment faire des petits check-up avant. Hein. Pour être sûr, oula, il se passe quoi? Oh non! Il y a ces trucs bizarres. Les kamikazes. Hop, on fait quoi? On s'en occupe? Ah non, ils ont défoncé leurs potes. Parfait. Spark,
interrupteur, ralentis, laisse-moi le temps d'atteindre ma version du 66e étage. Et si à la place, c'était toi qui accélérais? Ben voyons. Franchement, je trouve ça vraiment trop bien qu'il y ait une sorte d'interaction entre les deux Spidey. Les bouboules. Il y en a d'autres ici. Attendez, la porte là, on peut l'ouvrir aussi. Je pense qu'il y a encore une araignée dorée derrière. Ça scintille. Attention. Ah oui, au plafond. Ok, waouh. Je me suis fait toucher. Allez. Alors, l'araignée dorée, Spider-Man 2099. Hop là, on en a déjà 12. C'est pas mal. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faudrait que je fasse comme amélioration pour les personnes qui connaissent le jeu. Qui connaissent le jeu, waouh. L'articulation de la folie, encore et toujours, hein, vous le savez. Allez, dégage. Voilà. Ah, il y a des kamikazes. Allez. C'est vraiment des teubés, hein. Je peux passer. Ah non, il faut mitrailler encore. Oula! C'est en train de changer. Parker, un des couloirs vient de changer. C'est pas moi, hein. Bon, t'as peut-être défoncé un mur, je sais pas. Moi, j'essaie juste de rester en vie. Si c'était le cas, tu t'en irais. Mais bien sûr, il faut que tu prouves ton courage. Mon courage? Mec, je te rendrais pas mieux que de filer d'ici à toute vitesse. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Parce que ce que je fais ici compte, tu vois? Je parle pas de changer des couloirs en ascenseur. Ça compte! Et je dois vivre avec ça, même si ça doit me conduire à la perte. Tu comprends, O'Hara? Si tu veux. Allez, il y a encore un mec volant, je déteste ça. J'ai chopé les deux ou pas? Non, pas du tout. Ne t'enflamme pas, GG, ne t'enflamme pas. Bien sûr, ils n'ont pas de carte d'accès. Pourquoi c'est jamais simple? Il y a forcément une clé d'accès dans le coin. Ouais, ouais, on va récupérer la clé, mais je veux passer par là. On a quoi? Un ordi encore? Et c'est tout? Une araignée dorée encore, ouais! Ah, trop bien. Comment je fais? Eh bien, comme ça, tout simplement... Voilà. Allez, on avance. Donc ouais, dans l'épisode précédent, on a défoncé un robot géant. Là, je me demande bien ce qui nous attend. Voilà, les bouboules. Les célèbres bouboules. Toi, approche. Il y a des lasers. Ouais, des lasers qui ne servent à rien du tout. Je dois juste trouver le bon robot sentinelle. Quoique, si, je vais me faire toucher. Oula, oula. D'accord, j'ai rien dit. Donc, comment on fait? Ah, mais oui, bien sûr, comme tout à l'heure. Voilà. Et on peut passer. Attendez, je veux ça avant. Ouah, le monde qu'il y a. Non, 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 non. Allez, paradoxe. Message à l'intrus. Les agents de sécurité sont en route. Veuillez rester où vous êtes pour vous assurer une élimination sans violence inutile. Mais oui, on va pas bouger, hein, bien sûr. Il y a encore une porte qu'on peut soulever à côté. Bon, où es-tu? Pas loin de là où tu veux pas que j'aille. Ralentis, tu veux? Et si t'accélérais plutôt? J'y travaille. Le seul moyen d'arriver plus vite, c'est une chute libre dans la cage de l'ascenseur. Le chemin le plus court entre nous, c'est la ligne. J'arrive, Parker! Parker? Ça, c'est un peu. Alors ici, il n'y a vraiment pas grand-chose, hein, donc on va ouvrir la porte avec le pass et on va devoir faire une chute libre. Les chutes qu'on avait déjà à faire dans Spider-Man Dimension, hein, je crois bien. Ouais, ouais, si, si. Je m'en souviens même du boss final. Allez. Oh yeah, c'était sympa ça. Il y a un autre gars en face.
viens par là. Ah non, c'est trop bon ça. Voilà, encore un, mais hé hey, doucement. Les deux en même temps, non? Ok, donc ici on a quoi encore? Je suis en train de me faire attaquer alors que j'ouvre une porte. Ah mais franchement, il y a vraiment énormément de monde. Ils étaient 4 en fait. Toujours plus. C'est fini ou pas? Non. Là, c'est fini. Voilà. Alors, la porte était là, tout simplement. D'accord. On est bon. On va devoir chuter maintenant. Eh bien ouais, je pense. Mais oui. Allez, concentration. Et fail, hein, je pense. Allez, non, on va bien jouer. Donc, position de chute, maintien, croix, machin. Ok. Ouais, je m'en souviens. Et on fonce. Ah, il y a un curseur. Oh, c'est bon, ça. Donc, normalement, on va gérer, hein, je pense. Je me concentre, hein. Je parle pas trop, je me tais. Oh là là. Oula, je vais me prendre des plateformes, ça va faire mal. Non, non, non. Pff, on a chaud. On a chaud, on a très chaud. Aïe, et ça pique. Waouh. Non, franchement, le jeu est hyper nerveux, c'est super bien. Non. J'ai rien dit. Waouh, waouh, waouh. On va lâcher la croix. Hein. Ça fait trop mal. Et c'est fini. Waouh, eh bien, franchement, c'était super long. C'est pas fini, non. Ça a recommencé. C'est pas moi, je te jure. Allez, c'est trop long. Il y a trop de pression. Voilà, voilà. Allez, on alterne, on alterne. Ok, on est bon. Je pense que c'est fini ou pas? Intrus détecté. Neutralisez-le. Ah, oh, génial. Bon sang, il faut que je retourne là-bas. Et vite! Ou Parker va atteindre son 66e étage avant moi. Toujours là, Parker? Oh, bien sûr. Je saute, je rampe, je cours. Tout le tralala. Et arrête un peu de t'inquiéter, maman. Surtout que c'est moi qui passe mon temps à te sauver les miches. J'arrêterai quand ce sera terminé. Tu es encore loin du 66e étage? Parker? Tais-toi. Je viens de repérer Anti-Venom. Je te recontacte. Parker! Parker, tu es... Oh, génial. Je dois en finir avec cette histoire avant que la situation ne devienne encore plus catastrophique. Waouh, je peux même pas toucher les bords, franchement. Et ouais, je suis mort, hein, donc j'ai dû recommencer déjà une fois. Hein. Oh là là, je fais n'importe quoi. Ok, ça passe, c'est encore long. Pourquoi on est descendu si bas, hein? Oula. Il y a encore des tourelles. Vous ne m'avez pas vu, toi. Tais-toi. Toi aussi. Et on arrive. Voilà, ouais, enfin. Il y a un autre passage. Ça va me ralentir, mais je peux encore rejoindre le 66. Envoi de renfort demandé.
Allez, attendez, on va faire un petit coup de paradoxe directement après. Bon, allez, c'est parti. Je ralentis même pas. Laissez-moi tranquille. On voudrait sauver Peter. Allez, et voilà. Du calme, Miguel, t'es en vie. Wow, c'est en train de changer encore. Encore un changement? J'ai l'impression qu'il ne reste que la ventilation pour atteindre le 66e. On n'a rien vu, il n'y a personne. Et on doit encore monter. Waouh. Ça n'en finit pas. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, quel costume vous voulez que je mette pour la prochaine fois. Oh yé, désolé, je suis allé boire un coup, j'ai la gorge sèche. Non, je pouvais faire la... Là, enfin le paradoxe ici, il y avait plus de monde. J'arrive. Oh non, j'ai tout gâché. Oh pourquoi? Dégage de mon chemin. Fin de l'histoire. J'essaye de faire des petits combos sympas. Attendez, on va prendre un objet. Non, pas ça. Un objet. Hé, je peux passer? Non. Il y a une porte à soulever encore. Ah mon dieu, il y a trop de monde. Je me suis fait attraper. Il y a trop de monde, c'est abusé. C'est abusé, comment j'ai parlé hein. Oh là là. Toi, fous le camp aussi, bordel de merde. Laissez-moi. Viens par là. Et c'est fini? Oui? Oui, vraiment? Ok, donc ici on a quoi? Je pense qu'on a encore une araignée dorée, hein. C'est en train de scintiller sur le côté. Ou pas? Ah si, voilà. On la prend, un petit ordi. Et on peut avancer. Et je pense qu'on va bientôt se quitter, hein, je pense. Je pense, c'est quoi cette voix? Hein? Je vais arrêter ça tout de suite. Allez, on grimpe encore. C'est dément. C'est encore mieux sécurisé qu'une centrale nucléaire. Bon, eh bien, ouais, je suis mort. Donc, on est reparti. Voilà. Je me concentre. J'ai pas envie de vous laisser sur un fail. Hop. Ça passe. Le leur, le leur, le leur, le leur. Voilà, on a tout récupéré. Non, mais me touche pas, je suis super loin. Ça, par contre, je veux... Wow. C'était chaud. Alors, hop, je mets un leur. Et j'avance. Et c'est terminé. J'ai enfin rejoint mon point de départ. Oh, waouh, on a réussi, enfin. Par contre, ouh, c'est long couloir, ça n'annonce rien de bon. Cœur, je suis au 66e étage. Où es-tu? Anti-Venom se cache toujours? Notre gueule d'amour est juste en face de moi. Eddie, c'est toi qui as provoqué ces explosions? J'essaye de l'éliminer. Si c'était vraiment le cas, t'aurais réussi. Qu'est-ce qui t'arrive, Eddie? C'est maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Parker? Anti-Venom lutte contre lui-même plus que contre moi, comme si quelqu'un... L'y obligé? Avec des puces de contrôle sous-cutanées, il est dangereux? Il vide mes pouvoirs par simple contact, et mon sens de l'araignée ne le détecte pas. Génial. Où es-tu? Peux-tu échapper à Anti-Venom? Au 66e étage, et oui, je devrais pouvoir l'éviter, mais je n'aurai pas les réponses. Et si ces explosions détruisent le bâtiment, il y aura des milliers de victimes. Bon, eh bien, les amis, on va s'arrêter ici pendant cette petite phase de combat. Moi, je vais m'occuper de tout le monde.
Et n'hésitez pas à mettre un max de commentaires, un max de likes, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, et jouez bien, salut !